Chers amis du diocèse de Valence, nous voici en ce jeudi donc presque à la fin de la visite ad limina et avec une journée très importante puisque ce matin nous avons célébré d'abord à la basilique Saint-Pierre, tout près du tombeau de l'apôtre Pierre. Belle célébration où nous sentions à la fois que nous venions vivre près de cet apôtre ce lien avec le Seigneur finalement. Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et donc un très beau moment de célébration et de prière, d'abandon aussi au Seigneur pour la mission qui nous est confiée pour vous. Et puis ensuite la rencontre avec le successeur de l'apôtre Pierre, donc le pape François. Et alors vraiment on peut dire qu'il ne s'est pas contenté d'écrire Fratelli Tutti, mais la fraternité, la simplicité dans les relations, c'est quelque chose de très présent. Nous avons eu presque 2h30 de rencontre avec le Saint-Père et une conversation, un échange, un dialogue. Il n'a pas voulu qu'il y ait des discours de formalisme et il a veillé à ce qu'on puisse avoir des bouteilles d'eau. Et on a pu aborder plein de sujets de la vie de l'Église d'aujourd'hui. J'ai beaucoup retenu l'insistance que le pape a mise sur les quatre proximités. Notre proximité avec Dieu, avec le Seigneur, dans la prière, dans l'écoute de l'Esprit, dans la parole de Dieu. La proximité entre nous, entre frères évêques, autour de lui. Une proximité vraiment fraternelle qui n'empêche pas des échanges ou des désaccords, mais une fraternité importante. La fraternité avec les prêtres. Alors là, je me suis senti encouragé à le vivre plus profondément encore, cette proximité, l'évêque comme un père, un frère et un ami pour les prêtres. Et puis la proximité avec le peuple de Dieu, avec ce peuple dans lequel nous sommes quelquefois devant, souvent au milieu et quelquefois derrière. Le pape a repris des images qu'il connaît, nous invitant à avoir l'odeur des brebis. Voilà, donc c'était un moment fort que nous allons reprendre entre nous et puis que j'aurai plaisir à partager avec le diocèse après, tous ces points d'insistance. Je pourrais dire qu'il reste encore quelques rencontres cet après-midi et toute la journée de demain. C'est vraiment un pèlerinage. Chaque matin, il y a la messe, la prière et puis toutes ces rencontres qui nous renvoient à notre responsabilité, qui nous renvoient à notre mission d'annonce du salut pour aujourd'hui et qui nous renvoient à cette écoute du peuple de Dieu dans ce qu'il a comme flair aussi pour trouver les chemins. Voilà, je continue à porter le diocèse dans la prière et je vous dis bénédiction depuis Rome en attendant de revenir vers vous prochainement. Merci.